14h tapante, Pierre-Louis organise les réjouissances de la journée. On va mélanger rugby et hand cet après-midi. Donc on aura un atelier avec Louis sur les poteaux là-bas. Et puis avec le hand avec Sabrina, on sera sur un petit match de hand ici. Allez, go, c'est parti. Quand la crise sanitaire a interdit toute activité sportive en salle, le club de rugby du Creusot a eu une idée, inviter les autres disciplines à partager leur grand terrain en plein air. Le but du jeu, c'est vraiment de mélanger un petit peu tous les enfants, parce que c'est vrai que l'idée, c'est que chaque enfant puisse tirer profit un petit peu de ce que chacun fait dans sa discipline. Parmi les sportifs qui ont accepté l'invitation de cet après-midi, les handballeurs creusotins. Ils initient les jeunes joueurs de rugby aux règles de leur sport. Alors, pour les rugbyman, contrairement à vous, je vais le répéter souvent, on n'a pas le droit de marcher avec la balle. Après quelques exercices et un petit match de hand et de rugby, l'échange se révèle plus ou moins fructueux. C'est bien, en plus on peut marquer des buts. Je préfère rester au rugby. Pourquoi ? Parce que c'est mieux. Vous avez envie de continuer après le rugby ou non. Non, j'ai pas envie. Les parents présents, en revanche, sont ravis de retrouver un peu la vie d'avant la pandémie. Là, ils retrouvent un peu les copains, la joie d'être dehors et de pouvoir jouer un peu. Donc c'est très agréable pour eux. Si la municipalité soutient activement l'initiative, elle ne baisse pas la garde pour autant sur les gestes barrières. On a du gel hydroalcoolique, on lave les ballons entre chaque catégorie d'enfants pour pas non plus mélanger. On prend toutes les mesures nécessaires. Donc on prend les noms en cas de problème, comme ça si on les donne à l'ARS en cas de problème. Mais non, on n'a pas eu de cluster, on n'a rien eu du tout. Les rugbymen comptent poursuivre l'aventure avec d'autres clubs de la ville pour défendre leur valeur commune, le sport.